Là, nous allons faire le point avec le directeur départemental Travaux publics, transports, communication dans notre pays. Là, avec le directeur départemental, là, nous allons regarder ensemble de travail qui était annoncé. À qui niveau y est? Est-ce qu'il y a fait vrai? Est-ce qu'il y a une difficulté? Est-ce que il veut contourner ensemble d'obstacles qui t'a qu'à permettre que ça que t'es dit n'est pas possible? Puisque il y a des objectifs qui fixés et président t'a souligné, chaque fois que tu as remis le matériel, il était parlé avec le responsable TPTC dans le département yo, pour te faire comprendre, mais ça attend de yo pour que l'élap quitte le pouvoir une quantité de kilomètres route qui arrivent fait dans tout le pays. Avec le responsable département, nous pourrons regarder tout ça. Il est vite à répondre à une question, collaborateur nous, Richard Saint-Joudin et puis PEMS Jean-Baptiste. On a suivi précision, quoi il est là. Normalement, le travail nous commence à faire là depuis un mois que nous avons commencé, bien que nous comprenions timidement, sur la caravane. Donc, nous commencé le travail sur Kankok et Vaudreuil, qui sont sur 28 km. Donc, actuellement, là, sur Vaudreuil et Montrouge, nous commençons à mettre asphalte sur Vaudreuil et Montrouge. Et n'a pas avancé avec asphaltage là. Donc c'est ça, première priorité de président, c'était Kankok Montrouge. Donc nous attaquons deuxième tronçon là maintenant sous Barrière Battant et Kafoumena. Donc nous gagnons un bretel qui est sous Kadouche pour qu'il sorte sous Jean Bernard, sous même tronçon ça où est-ce que nous travaillons là. Donc après tronçon ça là, nous gagnons et travail que nous avons fait actuellement là sous Baron. Donc, deuxième travail sous Baron là actuellement là pour nous capables de commencer le travail de Grande Rivière à Baron et puis de Baron Ranquette jusqu'à ce que nous montions sur Ranquette et la Victoire. Et pour ville là même, ville au Cap-Haïtien? Bon, pour ville au Cap-Haïtien, il y a un pile de travail que nous avons fait pour ville au Cap-Haïtien. Actuellement là, sous Carénage et en montant et Montjoli, hôtel Montjoli, nous avons de rue 25 à rue 29 que nous avons travaillé là. Dans là nous avons un béton de chaussée sous près de 500 mètres linéaires que nous avons fait. Nous avons un dalo et nous avons fait là actuellement là, nous avons préparé pour lui là sous pont Grand Bois, que actuellement là, sous aller là sous pont Grand Bois, premier shop travail. Et puis nous avons tout cité ou en dedans là que n'a passé que n'a pu rembler et nous pour le bétonner autour c'est Guimalari, Krasézo et en pile dans cité que là nous pour le bétonner. Donc n'a fait un pile travail dans la ville là là pour et saison caravane là. N'a tourné sur route Vaudreuil là sur combien de kilomètres route n'a travaillé sur route Vaudreuil là? Et nous sur 20 pour 28 km sur Kankok Vaudreuil sur 28 km mais actuellement là nous bétonner nous asphalter à peu près 1.2 km là toujours. Et sous Barrière Battant pour aller tomber Saint-Raphaël un champ. Et n'a prend premier tronçon là de Barrière Battant à Kafoumena qui est sous 6.2 km. Après ça n'a prend Kadouche pour nous connecter sous même tronçon ça qui est sous 8.2 km. Après ça de Baron que nous commencer à monter après grande rivière Baron que nous pour aller sous Ranquette que nous gagnons près de 45 km sous les. Sur route ça, pour qu'on ait qui ça n'a fait là dans la même. Et ces travaux de terrasse que nous fait actuellement là, sur Barrière Battant et Kafoumena. Donc semaine prochaine, nous avons commencé à mettre couche de base là sous lit. Donc nous avons tant de films là qui pourra le mettre et asphalter les tronçons ça. Donc c'est lui qui a pas le poter 0,40 là pour nous. Nous-mêmes avons fait étalage là. Donc après ça, pour nous capable commencer à asphalter Barrière Battant et Kafoumena. On a fait terrassement et puis élargissement tout. Oui, exactement. Si vous regardez là, vous regardez l'élargissement que nous avons fait sous lui là, il y a des travaux, donc il y a pile l'élargissement que nous avons fait sous lui. Donc c'est semaine prochaine, c'est couche de base que nous avons mettre sous lui. Après ça, pour nous capables de mettre asphalte, pour nous capables d'asphalter. Pour l'autre côté, nous avons privé sous lui, comme nous disons actuellement là, nous avons travaillé, c'est ça que nous avons gagné en priorité, première priorité président là. Donc nous avons gagné sous deuxième priorité que nous avons gagné sous Plaisance, c'est route nationale et pour nous arriver Plaisance, c'est Plaisance Pilate. Donc nous avons gagné tronçon ça que nous avons travaillé sous lui tout. Après Plaisance, si nous avons travaillé sous lui, nous pouvons monter sous Dondon et Saint-Raphaël. Ça nous a une perspective là. Il y a plusieurs côtés nous allons toucher là. Oui, plusieurs côtés nous allons toucher là, surtout au centre-ville là, parce que nous avons pile travail pour nous faire dans le centre-ville là toujours. Donc, comme nous avons parlé de l'affaire de cité, nous avons pour nous bétonner, nous avons pile cité pour nous bétonner, près de 30 km de béton nous avons pour nous faire dans la cité. Donc, tout ça, c'est dans la perspective que nous avons avancé dans le programme et caravane. Mais ça, nous avons dit population, nous avons dit population, nous avons mis rété tête fret, donc caravane, nous avons privé sur eux. Donc, même là, nous avons avancé, et jour où nous avons avancé là, il y a un petit problème économique, c'est vrai, mais nous n'avons jamais campé, nous n'avons beaucoup de travail, donc n'a pas avancé et n'a privé sur. Dernier mot, m'a dit Mounio, encore m'a dit, rete tant de caravane n'a privé sur. Donc n'a pas travaillé à arrache-pied pour nous faire tout ça qui est possible pour nous capables de faire satisfaction pour nous capables de privé sur.
Voilà, pour précision, directeur départemental Noa, il y a plus de travail, oui. Je me dis au cap, semaine qui se passe là, puisque je me dis moins dans la zone Marion, dans le terrier rouge, pour la cérémonie officielle pour EMEO, pour t'assurer direct pour la télévision nationale. Vraiment, au cap là, fait problème. Vraiment, il y a plus de travail, directeur départemental, pour la zone ça. Vraiment, et pour finir, priver la zone, plus beau, finir quitter l'ennemi. Vraiment, route là très difficile jusqu'à ce qu'on va arriver on dit barrière bouteille, ça y avait barrière bouteille, et vraiment circulation très très difficile, route là vraiment fait problème et ou pas capable de courir sous livrer parce que à chaque fois on fait bien tourner dans zone yo, on souhaitait vraiment une disposition qu'à prendre pour que gagner des travaux qui exécutés non et ou entrer ville au cap de Pilboro jusqu'à ce qu'on arrive et barrière bouteille. Alors, le directeur départemental a souhaité parler de tronçon qu'on voulu là, qui doit avancer, qui doit accélérer. Et là, c'est ça que nous obtenons. Parce que finalement, c'est ça que nous souhaitons. Les gens qui fréquentent les zones, il faut qu'ils marquent la différence, il faut qu'ils voient la différence. Et puisque c'est un objectif, et caravane changement, c'est faciliter l'accès, c'est faciliter le dépassement, faciliter la communication, côté qui doit remembrer le secteur agricole là, faut qu'il fait, côté pour que l'eau arrive dans le jardin, faut qu'il arrive fait. Alors, côté tout pour que, n'est-ce pas, nous travaillons dans la rivière pour éviter la population victime, les gains mauvais temps, tout doit être fait. Alors, chaque côté a une spécificité par eux, même quand au niveau ville au Cap-Haïtien, sous notre entrée, il y a un pile d'efforts qui continue fait. Pour permettre de gagner plus de communication et pour que nous voyager dans plus bonnes conditions. On a quitté le département nord, nous pourrions aller dans le nord-est et Farah, nous aller Capoti et dans la localité Kole Wesh. Bien, volet énergie à son gros mousseau, président Liclé Souli. La dernière intervention a été faite pour parler de réalisation caravane, parler trop de temps pour que nous arrivions dans la question 24 sur 24 là. Et section communale, formule qui utilisait ces appareils qui distribuaient, qui pourraient permettre de nous éclairer les cailloux. Parmi les zones, les cailloux dispersés. Les gens habitent à l'état difficile pour utiliser le réseau, passer le câble, etc. Et ces formules qui paraît plus plausibles là. Et c'est pas ici qui premier venu avec la formule ça. Et là, pour faciliter les paysans, les gens qui sont dans une zone reculée, dans une zone très 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 loin de Port-au-Prince, ils sont même tout capables de charger le téléphone, capables de gagner et pour éclairer la caillou, pour empêcher de continuer à utiliser lampe tête grid-up, ça qui a une répercussion sur la vie, sur la santé. On a regardé comment ça a été dans Capoti, dans Wesh, pour distribution d'appareils dans quatre programmes, Kaipam Clairia. Pendant que je passe à faire visite de côté, je me dis que je suis en train de faire avec une lumière à tête grid d'arbre qui a gâté mes hommes.
Mais je dis, je me sens content parce que tout le monde a la lumière. Et si je suis tombé à terre, je suis capable de boire. Et je me sens pas gaspiller en pile comme encore. Il n'y a pas de dommage qui est capable de faire si la lumière est tombée, qui a boulé la caille, qui a boulé l'autre activité. Je suis capable de dans la tête grise, qui a fait les yeux pas clair. Mais je dis, je me sens content. Je demande aux autorités qui ont toujours continué de travailler ça. Quand il n'y a pas de clairer à soi, quand il est belle, qu'on n'y a pas de faire noir encore. Je suis content parce que je suis sorti dans la tête grise à soi. Grâce à Kaipam Cléry. Je dis, président Jovenel, merci avec tout député Fris Adrien qui a pensé à nous-mêmes, qui fait ça pour nous. Kaila Cléry, ça fait plaisir content parce que ça fait longtemps dans la localité Wesh et pas gagné une activité comme ça qui fait. Côté que en pile monde dans la communauté a bénéficié. Et des projets qui pas m'éclairer et en plus là et Kayo a bien éclairé à soi. Ça fait plaisir et pour ça nous avons beaucoup aïe bobo pour président Jovenel avec tout député et admin et toute équipe là qui dépensait mettre un programme comme ça sous pied et moi encourager que yo mieux programme continue à multiplier de façon pour plus Kay ka éclairer toujours dans la localité. À soi moi quand pas me clairer me sentir bien content parce que me dit dans fait noir t'as servi avec tête gridap mais à soi nous gain lumière à bord ici quand pas me clairer me sentir content m'a dit président Jovenel merci avec tout député Fris Adrien qui fait nous cadeau lumière ça pour nous capable étudier travail faire en pile activité président Jovenel merci merci docteur Fristou qui fait nous capable joindre lumière ça parce que nous balater dit pour nous temps en temps ce gaz n'a brûlé nous bien content nous dit merci et merci équipe qui ensemble avec nous bien content parce que nous t'ai passé sur ton bagage jouette moi son ba essayer parce que caille pas éclairé à soir m'a dit président Jovenel un gros bravo et un gros bravo pour député Fris Adrien voyons beaucoup d'aïe bobo pour président Jovenel Moïse moi j'ai nous sorti nous content dans section communale et Capotia. Mais je dis à lui, nous sommes nos forces. Je dis à pile bravo pour la section communale là. Et moi, je dis Fris Adrien, on m'a dit bataille pour nous te représenter nous valablement dans la commune, dans le Parlement. Et je connais quand même nos papes honte. Je me sens content parce que le peuple n'a pas voté président sans valeur. Nous devons voter un président de compétent qui travaille pour nous. Je remercie tout le monde qui met le courage à ensemble. Qui voye lumière ça bat tout le monde qui dans localité à mes amis tout le monde joindre moi à frère me c'est danse me capable danser hier soir la moun yo pas être là c'est non nous m'té pas té gen lumière c'est tant grid d'ap là ver écrasé qu'on a obligé rete dans droit tout le monde la moun yo pas être monte yo dit m'jodi ali w'ap gen lumière en faillande dans maison mais li dans chambre dans salle dans galerie qu'on y a m'pa konnen ça m'ta faire même c'est danse m'ta va danser m'a demandé bon dieu c'est pour bon dieu ba josné la ke tout l'autre monde qui met ensemble à kay puis ba force à courage pour continuer l'été dans l'été là toujours qu'on y a nous va d'après ben un deuxième mandat encore si bon dieu fait nous pas mourir c'est pour bon dieu mon frère mon ça mon temps qu'on puis tourner puis président puis président encore parce que nous te connais ça là m'ta voter m'ta voter à confiance parce que tout le monde dit Josnel gain pour travail parce que remet développement mais nous commencer ouais vrai ça li qu'on dit c'est paquette là qui devant Chaila c'est derrière parce que il y a plus gros bagaille qui vient pour faire toujours même si m'té mouri puis tant m'a pour ça mes amis qui belle bagaille ça nous sens c'est danser m'ta danser si m'té radio m'té louvre c'est à Dieu c'est louvre m'ta louvre mes amis remercie tout le monde président Josnel pour bon Dieu bay force à courage pour Dieu Kimbek famille les petites les madame li pour bon Dieu fait des 3 jours au la terre toujours pour qu'il continue à travailler pour la mandat fin pour enfin c'est pour peuple la retourner mandat puis tourner président encore parce que c'est bon bagage qui fait garder lumière tout partout virer la lumière tourner la lumière bon pour demain si Dieu veut tout quartier ali m'pa connait vaï net quand on passe ces lumières gander les besoin faire coup de ça là m'conn pelle il fait noir parce que n'ti casse coup de là c'est n'en faire noir fait mais quand on fait ça ces lumières on fait ça ces lumières
Voilà pour Kaipam Clairé dans Capoti, dans la localité Wesh, section communale qui très reculée hein, de Port-au-Prince. Là. Et c'est ça la réalité, hein, et c'est ça la situation pile dans la fraction nous, qui vivent dans une zone très très reculée de capitale là. Et un peu de fois, billet si vous là, un peu de fois, billet si vous même tout besoin. Un peu de fois, billet penser à qui vous. Parce que si là, si on a pensé développement, il faut pas seulement rester dans la République de Port-au-Prince, mais il faut que nous inclus. La rire pays, hein? Et en pile fois, c'est au bon manger. N'oubliez quoi que vous contribuez et vous méritez de jouer un service. Vous méritez tout bien accès à service. Alors, nous souhaitons le programme s'allier étendu sur toute section communale, de telle sorte que, avant longtemps, toute section est capable de recevoir. Et puis, formation qui est faite pour aider les gens qui ont utilisé l'appareil là, pour éviter de ne pas tomber en panne trop bonheur.